Salut YouTube, on est de retour sur Bane, Gomez and Reavers. Avec Sodome et Gomorre, mais encore pire. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ils sont bien. Hein. La dernière fois, si tu as raté ça YouTube, on était sur Sodome et Gomorre, version normale, un personnage modé. Suggéré par l'un d'entre vous, sache que je te déteste. Mais en même temps, je t'en veux pas parce que le perso est quand même stylé, mais je te déteste. Je te déteste pas réellement, c'est de l'humour. Bref, Sodome et Gomorra 2, teinté. Une nouvelle version qui a l'air d'être plus forte. Pas du tout. Bah pas... Techniquement, ils ont l'air d'être pareils, hein, quand on regarde. Rest in Fire et Switch. Comment ça, Switch? C'est-à-dire qu'on peut le Switch? Ok. Ça, c'est qu'ils viennent de nous rejoindre également sur Twitch. Hein? Allô? Ah! J'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Ça veut juste dire, ça veut peut-être dire qu'ils sont pas unlock. Ça veut dire que ils sont pas encore disponibles. Comment on est censé le unlock? What the fuck? Attendez, vous êtes en train de me dire que je dois? Je dois? Non, je dois quand même pas. Je dois quand même pas les unlock comme les autres persos. Je dois quand même pas aller à The Bee avec eux. Attendez. je vais quand même pas aller à The Bee. Voyons voir mes modes. Fichier que vous avez vos articles abonnés. Sodome and Gomorra. Comment je fais pour les débloquer? Je comprends rien. C'est pas écrit. C'est pas écrit sur le mode. C'est pas écrit sur le mode. Ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être dit comme ils ont vraiment une version tentée. Hein. On va tenter un truc. On va tenter au moins pour savoir. Alors. Stage Home. C'est où Home? Home. No way Home. On va tester, hein. Give item, red key, merde. Hein, ok. On l'a. Ce jeu, c'est les unlocks. Non, mais c'est pour savoir, c'est pour un ami. C'est un test. Vous savez qu'on n'est pas là pour. On n'est pas là pour tryharder. Allez voir chez Chayou. Allez voir chez Chayou pour ça. Nous, on est là pour voir. On est là pour la science avant tout. Je suis un scientifique, j'ai fait S. C'est vraiment ça? Est-ce qu'il faut que je gagne maintenant? Est-ce qu'il faut que je gagne normalement non hein. Non, faut pas que je gagne hein. De toute façon c'est ingagnable hein. Là imaginez je gagne. Imaginez genre trop des barres et tout, je gagne, bien joué, bravo, allez hop. Oh, quand ils meurent, ils ont plein d'âmes. Hein. Alors maintenant, est-ce que ça marche vraiment? Non mais comme ça, YouTube, t'as un tuto sur comment débloquer Sodome et Gomorre. Incroyable, ça marche vraiment. Quoi? Non, 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 je regrette, mais c'est non. Qu'est-ce... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? What is this shit? Oh là là, j'ai envie de me défenestrer dans les plus brefs délais. Je vous explique. Je vous explique ce qui se passe. Quand j'appuie sur les boutons pour me déplacer, voici Sodome qui est très heureux de se déplacer, visiblement. Quand j'appuie sur les boutons pour tirer, c'est Gomorre qui bouge. Information. Tainted controls, voilà, mais c'est bien, on m'en bat les couilles.
Tainted Solemn and Gomorrah Birthright. You can now summon your market target while inactive. Oh, j'ai rien compris, c'est bon. Revival item parity. Revival items are awarded to both characters who move on in joins. Some items are blacklisted. D'accord. M'en fous. Sodom only item. Some items are transferred to Sodom if picked up as Gomorrah. Ok. Ok, ouais, ok, super. Ok. If you land while united you may be ouais. On va trouver. Alors comment je perds de la vie? Ah oui, donc lui il perd. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah bon. Allez, ça switch. Quoi, mais... Oh, j'ai envie de me défesdrer. Ça chie. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Il faut à chaque fois changer de perso. Il se passe quoi, là? Ok. Donc, c'est le perso qui est en feu, qui prend les dégâts. Et l'eau... Oh, c'est horrible. Oh, mon cerveau, là. Ah, mon Vaucère. Non. Laisse-moi tranquille. La speed up, super. Je pense qu'on va... reroll, hein. Finalement, ce sera peut-être pas ma pire... Ma première pire vraie expérience. Ma vraie pire expérience. Oh putain, ils ont pas la même speed. Oh. Ça, c'est moi qui vomis, hein. Vraiment, c'est... Non, mais ils sont stylés, après, je dis pas, hein. Ah, y a pas des mauvaises idées, là, hein. Y a clairement des bonnes idées. Mais, pas que des idées qu'on avait envie de tester en jeu, quoi. Alors, tu peux... Merci, mec. On va essayer. En vrai, ça a l'air d'être ok. En vrai, faut juste, voilà. Faut faire gaffe. En vrai, je sais que je suis invincible. Je suis invincible avec celui qui n'est pas en feu. Oh, secours! Ok, c'est bon. En vrai, on est pas si mal. C'est juste que c'est très bizarre de le voir se charger à chaque fois de... Habit. La bite ne fait pas le moine ou quoi? Ouais. Quand tu veux, hein. Merci mec. Je pense que le boom... Ah, par contre, 5 bombes pour 15, je prends. En plus, en vrai, si je dis pas de conneries... Ah, par contre, c'est très dur à contrôler. C'est très chiant à contrôler, sachez-le. Si je dis pas de conneries, là... Mais du coup, ça marche pas. Ah, du coup, ça ne marche pas. Ah, si. Ah, la bombe de mon père. Ok. Oh, la bombe de Sodome, ça fonctionne. La bombe de Gomorrah, ça ne fonctionne pas. Oh, c'est chiant. C'est chiant si vous voulez mon avis. Si vous voulez pas, voilà, vous l'avez quand même. C'est une aventure. C'est une aventure à vivre. Je vous propose de vivre une aventure. C'est une aventure. C'est avant tout une aventure. C'est comme une aventure suivie sur Minecraft. Sauf qu'il n'y a pas de Minecraft et que vraiment j'ai pas envie de la suivre. Mais voilà. Donc ouais. Vous l'expliquerez à vos petits-enfants, vos petits-enfants qui arriveront sur le chat plus tard. Le mec en feu doit pas se faire toucher. Mais il attaque automatiquement. Et le mec pas en feu, il peut se faire toucher, il s'en fout.
En vrai, ça va, ça a l'air d'être puissant. Hein. Et du coup, je les contrôle avec les deux contrôles de base. Ah, c'est un délire, hein. C'est un délire. C'est un délire, mais c'est jouable. Ok, je veux ceci, merci. J'explose tout, j'en ai rien à foutre. Je veux le fric. Je deviens fou. Donc la version normale ou pas? À voir. Par contre cet idiot il suit le mec invincible, c'est un peu bête. Il devrait suivre le mec qui fait mal. En train de devenir fou. Très bien. Oh, de l'attaque. Let's gong. Mac let's gong. Ok. J'ai eu mon objet ou pas hein? Est-ce que j'ai eu mon objet? Je crois que oui, c'était là. La petite picouse, effectivement. Bon, let's go. En tout cas, marrant que pour les débloquer, il fallait les débloquer de la même manière que les personnages du jeu, en vrai. Tu peux éventuellement te cacher dans les rochers quand ils sont en groupe et juste taper les ennemis avec celui pas en feu. Oui, oui, oui. Il y a les strats à voir. En l'occurrence, dans ces salles comme ça... C'est bien, ok. Une méga pyro. On verra. Par contre, le fait qu'on détruise encore les cailloux, c'est vraiment bien. Let's go. Imaginez, on a IPCAC. En vrai, IPK serait fort, non? Quoique, si ça peut nous faire mal à nous aussi. Bof. Mais en vrai, ça va, c'est jouable. Je trouve ça beaucoup moins casse-couille que les précédents. Ah, c'est dingue comme ils aggro directement Gomorra à chaque fois. Enfin, ils aggro à chaque fois celui qui est. Ils aggro le plus proche, hein, j'imagine, mais. Du coup, ça m'arrange, moi. Hein. On lui fera jamais mal. Merde. Merde, 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 je me suis emmêlé par Sox. C'est bon. Ça va. Pas de problème. Là, je veux le pognon. Merci. Oh, c'est dur. Ah merde, je me suis trompé encore. En fait, ça, comme ça switch, à chaque fois, il faut prendre le coup de main. Parce que du coup, c'est à chaque fois, les contrôles sont différents. Je vais câbler. Pic Fetus, sinon. En vrai, Pic Fetus, ça marcherait pas, je pense. Parce qu'en fait, ce que vous avez pas encore compris pour certains, peut-être, c'est que j'utilise mes deux. J'utilise mes deux mouvements. J'utilise les mouvements du perso, et j'utilise les mouvements de tir. Donc si j'avais Epic Fectus avec, ça marcherait pas très bien, je pense. Je n'ai qu'une clé, malheureusement. C'est un peu dommage, ça. C'est difficile d'être précis aussi avec cette merde. Est-ce que je vais vraiment en magasin? Ouais. Oh non, pas deux fois, hein. C'est bon, pas deux fois vers option, hein, vous allez pas m'avoir. Yop, con ça. Je sais pas si c'est fait pour être opti avec, avec la manette, mais en tout cas, sans la manette, ça chie. Hein.
Merci pour l'objet, mec. Putain, mais j'ai pas de clé, du coup. J'ai le seum. Ok, toujours pas de clé, super. De l'envie de se défenestrer, quoi. Bon, je ferai la suite. Là. Oh, je la joue safe, hein. Je la joue safe. C'est assez fou quand même. Je vois vraiment l'intérêt que ça a. Oh oui. Le déneige. Le déneige. Je sais pas si c'est toujours sur le même ou si c'est en fonction de qui tire. Devil Deal, je suis pas giga chaud non plus, il a pas l'air d'avoir encore de la vie lui. Je sais pas si j'ai envie d'avoir de Devil Deal avec lui. On va dire non. C'est pas comme Mario le Metal là, il se met juste en boule. What are you talking about? What are you talking about encore? Allez, pitié, donne-moi une clé, quelque chose. Vite. Oh là là, tu me régales. Oh, ça peut peut-être être énorme. Oula. The fuck. Wouh. Putain, je suis sur la lune ou quoi? Eh frérot, je suis... C'est... On est sur la lune, mais c'est trop bien en vrai pour esquiver des gens, ça. Frérot, je suis dans l'espace. Mais attends, c'est toujours gratos, ça. Toujours gratos d'aller dans les Curse Rooms. On y va. Toujours à chier, aussi. Ok. Wouhou. Oh, let's go. Pinaise. Hop là, ok. Oh, c'est marrant. J'aime bien. Bon, franchement, ce perso est quand même beaucoup moins casse-couille que sa version d'origine. Enfin, encore un Tainted qui est meilleur que l'original. Après, le joueur n'est toujours pas meilleur que l'original, mais ça, c'est une... C'est l'autre star. Cette histoire est inspirée de faits réels. Par contre, j'ai l'impression que le damage up n'a pas servi à grand chose, non? Ah mais si, ah non, c'est vraiment, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Genre là, actuellement, Gomorra est plus fort que Sodom. Ok, ok. Ah non, faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Oh. On gagne. Fortune cookie. Pourquoi pas en vrai? J'ai l'impression d'être Mario dans... sur la lune là. Ok, je suis dans l'espace. Oula. Quoi? Mais il a pris un truc? Je suis aveugle. Je suis aveugle, ok. Mais quoi? Mais nique ta mère! Pourquoi ça fait ça? Oh, c'est dur. Il y a des monstres, c'est plus dur que l'autre. Hein.
Ok. Va falloir que je rééquilibre les forces parce que ce homme là. Ça bon, ça attends, si je fais Temperance. Est-ce qu'on peut tricher? Non, on peut pas, bien sûr. Évident. Évident qu'on peut pas. Ok. Ok, ah oh, putain, c'est un délire, hein, perso. Il faut que je garde ça quand même. C'est vraiment un délire, le perso. Hein. Oh ouais, mais par contre, ouais, zéro temps de réac sur moi. Hein. J'ai vraiment zéro temps de réac. Hein. Je peux aller sur les pics ou pas? Oh putain, je peux pas non plus. Oh là là. Ah, c'était pour le test, là. Mon temps de réaction est un peu catastrophique. Hein. J'ai qu'une seule clé, j'attends. Ok. Alors j'ai une clé, hein. Je tiens à te le dire. Ok. Oh, le smelter, ça peut être bien ça. Hein. Il a presque l'air plaisant à jouer. Bah en vrai, il a l'air assez cool. En vrai, ça peut être super bien à jouer à deux, ça, pour le coup. À jouer à deux, ça peut être super cool. À jouer à deux sur le même clavier, je veux dire. Parce que genre, t'en as un qui prend Sodome, l'autre qui prend Gomorrah, et je pense qu'il y a moyen de faire un gameplay super agréable. Ça, je pense que ça peut être vraiment cool en gameplay à deux. Je vais prendre le smelter. Pour avec un personnage plus agréable à contrôler, si possible. Bon, alors, rien à dire. Je retire. C'était les deux sont un chier à contrôler. Ok. Je vais prendre la clé. On y va. Je me trompe depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça marche. Oh, c'est un délire, hein, par contre. Hein. Ah, mais ça marche! Putain, ça marche vraiment le... Incroyable, ça marche vraiment. Putain, par contre... Ah, j'ai une douleur dans le dos, là, aujourd'hui. Elle se réveille, là, en plein stream, c'est pas très agréable. Pas très agréable. Le PhD là, le PhD quand on en a besoin. J'ai mal. T'as mal au dos ou? Bah j'ai une espèce de douleur qui lance genre comme des espèces de petits pics là. Qui est au bas du dos, sur le téco. Sur le côté. Ah nique ça mais. Peut-être temps de s'arrêter. Oh mon dieu, j'ai mal. C'est quoi ça? The world. Je deviens vieux, c'est normal. Va falloir amputer le dos, je pense, ouais. Ça semble assez logique. Allez. Bah super cette salle secrète, hein. Vraiment pleine de surprises. S'il vous plaît, me montrez pas vos doctorats, Doctissimo, là, s'il vous plaît. Pas besoin. C'est vraiment marrant qu'il y en ait un qui, du coup, aura toujours l'effet de Taurus. C'est rigolo. C'est rigolo qu'il est Taurus. Oh mon dieu.
suis vraiment radiologue. Désolé, désolé Barburo. Après, je suis pas sûr que ça puisse vraiment aider d'avoir juste cette petite description. Quoi qu'il en soit. Fameuse Doctolib. Le Doctolib du chat, c'est parti. It's 5 random pills, oula. Oula, Oulala, Lélé. Oh, j'ai mal. Bon, il va falloir qu'on s'arrête après cette run. Fais chier. Ouais, non, pas tempérante, ça, quand même. J'ai une âme. Attends. Mais non! On a le temps. On a le temps devant nous. On a qu'une jeunesse. Oh, l'idée de con. Ça marche pas très bien, ça. Ok, on a envie, on a rien perdu. Oh, le good deal, là. Oh, le range job, je m'en bats les couilles de ton range job. Le range job, c'est toi qui vas le prendre parce que t'en as pas. Pitié, pitié. Pitié! Parce que quand j'ai mal, je deviens encore plus agréable que d'habitude, donc autant vous dire que là, si mon dos me lance pendant toute la game, là, je vais devenir fou. Ah. T'es pas otage du nanan, mais vous inquiétez pas, je peux streamer. Quoi qu'il en soit, je vais avoir mal même sans streamer. Donc, Oh, mais genre, c'est incontrôlable ce perso de merde! Voilà, c'est... Oh là là, putain, je me demande à la manette ce que ça fait en vrai. Je me demande à la manette si c'est bien ou si c'est toujours autant à chier. Ah putain, vous imaginez pas à quel point je contiens la douleur, comme s'il ne m'arrivait rien, alors que vraiment depuis tout à l'heure c'est insupportable. Putain, on dirait qu'il a fait une flèche avec sa pisse pipe. Ah. Ça va être une dingue, ça. Oula. Ah bah enfin les bonnes nouvelles. Enfin les bonnes nouvelles. Bon, vous savez pas me le redemander toutes les deux secondes, j'ai mal où. Je l'ai déjà dit une fois. C'est gentil, hein, mais... Les flammes. Oh. Non, non, laissez-moi tranquille. Ok. Oh, le dingue. Ça, c'est bien le Nose Goblin en vrai. Merci. Vous saviez à quel point c'est incontrôlable. Donc j'ai le switch. Ah bah ça switch automatiquement à chaque salle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est le procureur qui le dit. Hop, allez, Magic Mosh. C'est le moment. Oh mais non, mais j'en ai marre des pilules. Donnez-moi le PhD par pitié. Après bon, si c'est pour qu'il marche pas comme tout à l'heure... Faut que je le mets à seul homme. Easy.
15 000 pilules, pitié. Jamais eu autant de pilules de ma vie. Familiar move. Ah non, pas ça. Du Devil Deal avec Brother Bobby. Ah bah non. Pourquoi? Mais il veut pas ouvrir lui. Lui il veut pas. Oula. Bomber Boy. Bon bah. Bon en vrai c'est un peu. C'est un peu tricky Bomber Boy mais. Ouais, il faudrait réussir à le prendre déjà. C'est abusé, ils auraient pu augmenter le reach pour les objets. Après je sais pas si c'est physiquement possible d'augmenter le reach des objets sans baiser la hitbox du perso. Bon bah. Belle salle en tout cas où je m'amuse énormément. Au secours! Si vous venez d'arriver, je vous rappelle le principe. Le perso qui est en feu, donc bah plus lui maintenant. Maintenant lui, c'est celui qui prend les dégâts. Et lui, c'est lui l'invincible. Et vice versa quand ça change. Je vous le redis au cas où. Et ils ont des stats combinées. Des stats combini. Ah, il y en a qu'un seul qui a l'effet des bombes aussi. Et oui. Et oui. Ah, mais lui, il ouvre pas. Lui. Le PhD, là, maintenant. Oh. Non, mais King Baba, King Bébé, m'en fous, King Bébé. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? C'est Baba! Allô, c'est Baba! Alors, des petites beautés. Je veux cet argent. Je l'ai eu. J'ai eu l'argent. Si seulement j'étais un peu moins con, ça serait pas mal quand même. GG pas GG. Merci Ryan. Parce que lui, il fait quand même plus mal, hein. Ah, le Godzilla. Alors. Bon, surtout, m'en bats les couilles de ton genre fouille, c'est pas, frérot. Putain, vraiment. Une décision, vraiment. Attends, il est où? Ah, mais ah, il est là, maintenant, lui. Une décision, vraiment. Je l'ai changé de place tellement je l'utilise plus. Oh là là. Genre of peace. C'est vraiment une genre of peace, hein. C'est vraiment, je vois pas dans quel univers cet objet est intéressant. Toutes les 12 charges, quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt de cet objet de con. Cela étant dit. Ta mère, allez hop. On s'amuse, hein. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Et bah putain. Faut pas être pressé. Hein. Merci. Putain, j'ai l'impression d'être Neil Armstrong, là. On se fait chier en termes de vitesse là. Allez, c'est parti pour des cartes quoi. Yes! Ça se trouve, elles vont être insane, on ne sait pas. Pas de chance quand même. Ace of Hearts, on s'en fout. Queen of Hearts, putain, incroyable.
Toi, spade, par contre, ok. Oh. Oh, tiens. I'm gonna pète au câble. Oh, pitié. On va faire ça dans une bonne salle. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Maintenant. Face of Arts. Pitié! Voilà, comme ça on a un petit cœur. C'est bon, tout va bien. Et maintenant, je les transforme en clé. Bravo! Ça nous a pris 15 minutes, mais on y est arrivé. C'est ça, mais je me suis intimidé quand lui a dit mon nom. Mais non, faut pas. Alors. Je suis un mec bizarre sur votre écran, rien de plus. Rien de plus, vous inquiétez pas, tout va bien. Toas Palace, le Toas Palace, pitié. Pourquoi je lui ai donné cet upgrade? Cette downgrade de speed là? Pourquoi je lui ai donné ça? Allez hop. Voilà, on a 18 clés. On est parti de une clé, on a 18 clés maintenant. Bon, maintenant, quitte à se faire chier, autant y aller jusqu'au bout. Hein. Si je peux me permettre. On sent à quel point c'est invisible de jouer ce perso. En fait, de bouger surtout. C'est vraiment bouger qui rend fou. Bouger, ça rend ouf. Mais sinon, là... Ah oui, c'est vrai que lui, il ouvre pas les portes. Il sait pas. Il a pas appris à l'école à ouvrir les portes. Vraiment tout ça pour ça? Ouais, pas toi, après. Bon bah toi, alors. Mais ça peut être intéressant, ça va. Ça peut aussi être un chien, effectivement. Pour l'instant, c'est monumental. Un dernier. Fils de pute. T'es sérieux, là? T'es mal à la taille du rat? Oh, c'est un théâtre extraordinaire, hein, je te le dis. Je vais le démarrer. Putain, mais tout ça pour des vieilles bombes. Tiens, voilà. Tu me donnes des bombes, bah prends-les bien, tes bombes. Oh merde, je me suis trompé. C'est lui qui prenait les dégâts. Oh. Bon, heureusement que j'ai optimisé pour avoir un cœur gris. Hein. Heureusement que j'ai optimisé pour gagner un cœur gris et augmenter mon nombre de clés. Maintenant, j'en ai plus que 3. Ça a valu le coup, tout ça. Hein. Salle secrète, peut-être ici. J'ai même pas regardé là-bas. Oh, pourquoi je... Pourquoi devrais-je chier? Je deviens fou, hein. Je commence à devenir dingue, je commence à devenir dingue, ça y est. Oh, je déteste ma vie. Voilà. Allez hop. Oh, le damage up pour lui, enfin. Il a enfin le droit au damage up, oui. Prends. Alors par prends, je veux dire prends. Merci. Ah oui, enfin un peu de damage pour lui, quoi. Il le méritait. Attendez que ça, puis sa tendre enfance. Par contre, le trinket, c'est non. Hein. C'est quoi le but du perso? Gagner. Merci Bob. Merci Bob de toujours répondre aux gens. Avec justesse, exactitude. Cela dit, ça reste vrai. Hein. Le principe du perso, c'est qu'on contrôle les deux à la fois. Il y en a un qui prend les dégâts et l'autre qui ne prend aucun dégât. Et ça swap entre chaque salle. Et c'est un enfer. Pourquoi je vais par là? J'en ai aucune idée. Ah ouais, c'est vraiment agréable. En fait, c'est marrant parce que l'autre, il est plus rapide en soi, mais sur les longues distances, l'autre est plus rapide. Oula, tu me rends ça. Sur les longues distances, Sodom est plus rapide. F
Faut y prendre des dégâts. Bon, on y va. C'était intéressant. C'est le bordel, ces persos, bien sûr, retrouve. Ouais. Ouais, beaucoup plus que les précédents, je trouve. Nique ta mère. Il était pas destiné à ce perso, ce tir. Et il l'a quand même pris. Spawn Beggar en Divulbigar. Divulbigar. C'est un mec qui bouffe le cul d'une pute. Faut qu'il les fouraille. Ah non, excusez-moi. Excusez-moi les enfants. Oh, vous êtes censés te coucher à 22h16, putain. Non, mais arrête d'être une merde! Incroyable d'être un chier comme ça, sur un jeu que tu... Ça fait 1 million d'années que tu joues à jeu, t'es toujours autant à chier, c'est quand même extraordinaire ce que tu nous proposes. Putain de merde, mais quel sale horrible. Oh. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est horrible à jouer, mais je peux... Moi, je me rends compte pour vous. Oh. Ok, bah lui, alors. Nick. C'est vraiment grand, non, ce fight. Ce fight est extraordinaire. Ce fight est insane. Mais Dédé, tu serais pas en train de te branler. Putain. Tu sais vraiment que mon père était, enfin, et toujours certainement, j'imagine, fan de Bigard. Et du coup, j'ai regardé tous les spectacles de Bigard quand j'étais petit. Parce que bah ils étaient là en cassette et moi du coup je les ai tous regardés hein. Vraiment j'ai plus trop de souvenirs mais je sais qu'il y a des sketchs que je trouve vraiment très bons quand même dans le lot. Il faut admettre qu'il y a des, il y a des bons sketchs de Bigard. De manière générale hein. Quand c'était pas trop misogyne, c'était pas mal au final. C'est très beau enfin par contre. Mais bon, voilà, après c'est. On rappelle que c'est l'humour d'une autre époque. C'est juste l'humour d'une autre époque et ça fait toujours rire les vieux, c'est normal. Hein. C'est normal qu'ils le regrettent, c'était leur humour à eux. Oh. Pourcentage de plaisir dans ce fight, 0. Je crie beaucoup. Hein. Je crie beaucoup ce soir, c'est peut-être parce que c'est allié à la douleur de mon dos. On voulait pas, pitié. Je m'ai demandé d'avoir un mal au dos. Pour moi, la... Mais je suis une merde, je me suis encore trompé de perso. Le sketch des... Le sketch où il va au restaurant et où il demande s'il veut manger et il répond non, c'est pour faire un tennis connard. Je trouve que c'est une masterclass. Là, comme ça, hors contexte, on n'a pas... On n'a pas l'humour du truc. Mais, dans le contexte, le sketch est vraiment très drôle. On prend clairement le petit... Le cœur. Est-ce que je tente une salle ultra Socrate, sachant que les ultra Socrates sont plus si fortes qu'avant? Elles sont bien aussi. Mais un petit peu. Ça me donne un peu moins la trique qu'avant quoi. Dans l'esprit du plaisir. Merci Wizmerbing pour les 4 mois de plaisir. Merci beaucoup. De couvert? Non mon pote, il a mangé avec ses lois, connard. J'ai envie de le revoir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens plus beaucoup de... Je me souviens plus beaucoup des vannes. J'ai envie de le revoir parce que il y avait vraiment des... Il y avait vraiment des vannes excellentes là-dedans. Je suis en train de mourir vraiment. The Ink Priestress. Mais je l'ai lâché ma grosse pile. Bon, tant pis. Tant pis pour elle. Tant pis pour la grosse pile. Bim.
Et ça fait bim, bam, boum, et ça fait rizan zizon. Hein. Chiant qu'on puisse pas sauter au-dessus des précipices. Sont les autres méchants? Trouvez qu'on se chie, attendez de voir la suite. Non! On est là. On est là, on est vivant. Ok. Il va vite! Il va vite! Oula. Pinking Shears, Voilà, il faudra déjà réussir à le prendre. Hein. Donc, comment ça marchera du coup? En soi, ça a l'air puissant, hein. Étant donné que mon smelter, bon, il a déjà smelté, pas mal de choses. Oula, oula, oula! Mon smelter, il a smelté. Ça va être pas mal pour les boss et tout. La run devient si lente. Ah, mais non, mais la run est si lente. De base, les personnages, ce personnage rend toutes les runs lentes, hein. La version normale et la version teintée. Bah super, ça commence déjà excellemment bien. Mais du coup, il va vraiment faire ça à l'infini comme un débile. Ouais, ta gueule. Hein. Il m'a saoulé. Trop bien les God Deal en tout cas. De toute façon, je l'ai eu, alors tant mieux que je l'ai pas eu. Je l'ai eu, donc tant mieux que j'ai pas eu. Je cherche pas la suite de la phrase, s'il vous plaît. Bah, j'ai compris. Je veux tout voir. Ah, il est mort très vite quand même, je crois. The Tower. Justice. The Tower avec mes bombes de Bomberman, ça pourrait limite être un bon deal, hein. Ça pourrait faire très très mal à un boss. Bon, pour le prix de la mort. Ouf. Ok, voyons voir. Oh, le rasoir, pourquoi pas, en vrai, hein, c'est toujours ça de prix. Sur qui ça? Tiens. Qui ça? Qui ça? Allez hop, lui. Bili bip 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 bip. La flamme d'aller tout là-bas là, pour juste pour foutre et avoir une pièce. C'est bon. Hein. Allez hop. Attends. Un truc que j'ai pas fait, c'est le sale secret quand même. Oh. Le Socrate, ça peut quand même être intéressant. Je sais que ça peut pas être là. Ça pourrait peut-être être là, à voir. Où est-ce que ça pourrait être d'autre? Est-ce que ça peut être en bas, là? Ça pourrait pas être là. Ouais, bah si nos chances d'avoir une salle secrète commencent à être multipliées par 1 milliard... Ok, ça pourrait être là en vrai, non? Je sais pas si c'est considéré comme possible ici. Non, c'est pas possible, je pense. Bip, 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 bip. Donc à droite, c'est pas possible non plus. Ouais, bon, bah c'est officiellement. C'est officiellement là, je pense. Ah, maintenant il faut que je réussisse à partir de là. Je pense que c'est là. Et bah c'est pas là. Et bah nique. J'ai vraiment fait tout ça pour rien, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, je me régale.
Allez hop. C'est bon, on a déjà perdu assez de temps comme ça. Tower, c'est pas les troll bombes que ça spawn? Oui, mais avec nos... avec quand même la puissance de nos bombes à nous. Donc c'est... En fait, ça donne des bombes à nous, mais avec le skin d'une troll bombe. Déjà au dernier étage? Putain, ça va vite, hein. Non, on dirait pas que ça fait 45 minutes, hein. En vrai... Oh, j'ai fait paralysis, mais du coup, ça marche pas sur... Bah, chais. C'est une méga paralysis, hein, quand même. Hein. C'était vraiment censé prendre un an et demi. Et au final, bah, ça a pris 0 seconde. Il faut vraiment que je lâche ce trinket de merde, par contre. Je viens de me rendre compte que je l'avais encore. Et oui, parce que là, avec le trinket qu'on a maintenant, avec l'objet qu'on a, ça vaut quand même le coup de l'avoir. Chla! Au secours. Tout est maîtrisé, bien sûr. Vous en doutez. Quoi? Non. J'ai quand même pas bloqué le perso. T'es en train de me dire que j'ai bloqué le perso? Ah, d'accord. Une fois sur 15, ça marche. Drôle de personnage. Hein. Drôle de petit monstre. Il va me rendre fou, hein, j'espère. Je l'ai joué une fois. J'ai fait une run avec chaque version de ce perso. J'en ferai pas une deuxième. Hein. Même si je préfère cette version, c'est pas pour autant que je vais me détruire le cerveau sur ce perso toute ma vie. Il fait des persos modés des fois, chez you ou pas. Hein. J'ai l'impression qu'il fait... Il fait que du Isaac normal, jamais de persos modés. Ça serait vachement intéressant, je trouve, de le voir sur des persos teintés. Enfin, sur des persos modés, plutôt. Je vais tenter le boss, pas, je pense. Pas trop possible. Yes. En vrai... Allez, hop. Quasiment persuadé qu'elle était là. Easy. Ah. Bah content de pas avoir utilisé deux clés pour ça. Hein. Content d'avoir économisé deux clés là-dessus. Récapitule pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui suivaient pas. Hein. Je contrôle les deux personnages à la fois. L'un avec mes contrôles de mouvement et l'autre avec mes contrôles de tir. Celui qui est illuminé, donc en feu, c'est celui qui prend les dégâts. L'autre est invincible. Et celui qui prend des dégâts, il tire automatiquement. Et c'est pas moi qui contrôle les tirs. Ils ont chacun leur stuff, hein, pour les deux. Ça change leur stat, quoi, grosso modo. Je vais péter un plomb, merci. Ah, le locuste. Il est bien, ce locuste, en vrai. Je vais le prendre, non? I bring death. Oui, c'est vrai que lui, il bouffe pas les portes, putain. Vite, gros. Aquarius, Sur qui? Bah en vrai, toujours sur le même, non? Parce que lui, il a les dégâts de l'arme et l'autre, il a les dégâts de... Il a les dégâts de zone et tout, quoi. Il a les dégâts de stuff. Parce que le personnage a l'air compliqué. Oui, il l'est. Après, en fait, c'est parce qu'il est très déroutant par rapport au gameplay de base. En soi, il est pas dur de fou, je trouve. Il est plutôt fun à jouer. Marrant ça. C'est très rare ça, un cœur gris dans le feu. Ça fait plaisir quand ça arrive. J'ai pas eu de bouquin, non. Ça servirait à rien d'avoir la Bible. Bon, sauf pour buter mam en un coup, cela dit. Oh, c'est pas dégueulasse hein, quand on y pense. Surtout que je n'utilise pas trop mon objet actuel.
Allô? J'ai jamais appuyé sur pause. D'accord. Oh, ma chine de zone, je suis pour faire gaffe à la répéter. On pourrait dire, ouais, le bookworm. Est-ce qu'il y a la transformation séraphin avec cette merde, je me souviens plus. Bon, allez, j'ai beaucoup d'argent. On va le prendre comme ça, au moins, je one-shot Raymond. Vu que j'utilise pas mon objet, finalement. Autant en avoir utile, quoi. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur les persos modés. Ça doit être rare s'il le fait. En même temps, il fait souvent des trucs très sérieux sur le jeu. Hop là! Il est souvent en serious business sur le jeu, ça se comprend en vrai. Donc, comme d'habitude, Blue Baby parce que c'est quand même plus sympa. Moi, j'ai marqué ses vues. Ah oui, mais lui, comme il vole, il bute pas les rochers pour le moment. Alors, oula. Oulé les lolos. Alors, Rotten Baby, ça peut être nice. Et les bombes, ça peut être stylé aussi, vu que j'ai déjà des bombes spéciales. En vrai, les bombes, ça peut être très fort. Et lui, comme il a plus de dégâts, je lui donne les Rotten Baby. Allez, merci. Allez hop, on y va. Ouais, je pense que c'est jouable, hein, cette run, hein. Faut juste que je fasse gaffe. Faut que je sois logique. Est-ce que Rotten Baby va vraiment tirer? Ah mais attends, Rotten Baby va faire... Merde, c'est vrai qu'on a changé de perso entre temps. Rotten Baby va tirer que lorsque c'est lui la cible. Lorsque c'est lui en rouge, j'imagine. Ouais, c'est ça. En plus, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça le truc. En vrai, ça le rend beaucoup plus utile. Je suis retourné voir le sketch de Bigard avec le restaurant Gérori. En vrai, j'ai envie de le revoir du coup, putain. J'ai envie de le revoir. Ok. Bon, on profite. Hein. Oh! Ok. Notre bébé, let's go. Est-ce que j'attendrai pas? Il faut que j'attendre. Il faut que j'attendre. Oula, il fallait prendre un dégât là-dessus. Let's gong! En vrai, ça va, une fois qu'on a pigé le truc et qu'on s'y fait, c'est mieux. Genre là, ça y est, ça commence à être un peu logique pour moi. Ça commence à faire sens, je sais quand est-ce que j'ai un perso, quand est-ce que mon perso est vulnérable ou pas, là, à peu près. Si je suis bien concentré, c'est ok. C'est con. Putain, y a un mec qui dit qu'il y a une bombe qui vient de péter dans son quartier, vous avez que ça à foutre, tu veux dire une bombe brimstone, bah... Une troll bombe! Courage, hein, j'espère que ça va. J'espère qu'il n'y a rien de.
J'espère que toi tu n'as rien reçu ou quoi. Un peu life. Courage. Bah je peux hein. Ah bah ça valait le coup putain. Hop là, il est quasiment intouchable. C'est trop bien parce que lui il est moins fort mais du coup il est quasiment intouchable grâce à son aura. Et l'autre il est tellement fort qu'il bute tout le monde donc c'est ok. Enfin, il est pas tellement fort mais il est quand même bien. Il a la puissance de Rotten Baby, de Ghost Baby en même temps. Et quoi qu'il en soit l'autre met une bonne aura autour aussi. En vrai le perso fonctionne vachement bien. Hein. Le duo marche bien. C'est vrai qu'il a Taurus si jamais le combat dure trop longtemps. J'ai rarement fait ça. Bizarre. Hop là, ça dégage. À la foutre. J'ai invincible. Mais il tire plus là, pourquoi il tire plus? What? Il a pris quoi? The fuck? Oh, qu'est-ce qui est en ce perso? Des drôleurs sur le chat. Vous êtes drôleurs. Vous êtes drôle donc c'est ok. Oula. Hop là, invincibilisé. Oula. Je suis pas sur le bon perso là. Oh, par contre, encore une fois, un perso qui demande d'être tellement concentré là. Quand est-ce que je vais pouvoir faire des parties où je parle avec le chat quoi? Je fais une partie à thème un jour. Oula. Mais putain, faut qu'il apparaisse pile là. C'est con. C'est cool. Allez. Allô. Merci. Eh ben ça va être bien ça. Trop content d'avoir fait ce fight. Allez, ça donne envie. Bien sûr que ça donne envie d'avoir le... Bon, j'ai 3 points de vie après quoi. Mais j'aurai le code joined. J'aurai le code joined quand même, pas dégueu. Oh merde. Merde. Je vais aller chercher la salle secrète par contre. Hein. De question que je parte sans. Hélas. Toujours pas de plaisir. Toujours pas de trace de plaisir dans ce monde. Travel Sun. En vrai, c'était 13, qu'est-ce que j'ai fait? Tu nous regardes plus. Ouais, je vous regarde plus de la même manière, ouais. C'est bien vrai. Zanzuber Zugret, c'est ben. Peut-être là-bas. Quand tu veux, frère.
Oh! On s'est bien amusé en tout cas, on a bien rigolé. Voilà. Ah bah super. C'est bon ça. Aïe 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 aïe. Ah, c'est pas l'ambiance là, hein. C'est pas l'ambiance de folie. C'est pas l'ambiance de vous. Ouais, vas-y, fais ta place. Hein. Ah, trop bien, ça marche même pas. Faut que ce soit lui. Faut peut-être que ce soit le plus lent. Ouais, ça marche avec ce dame, ok. Je double charge ma bible, comme ça on sait jamais. Voilà, super, allez, au revoir. On s'est bien amusé ici en tout cas. Enfin, une heure la partie, hein. Vraiment les parties les... parmi les plus longues, hein. J'ai un beau plou. Quel signe tu fais sur ta pépé Switch? Ta pépé Twitch? Ah, je fais le signe de joule. Je fais le signe. Merde. Ah mais attends, sinon, pas merde. Pas merde du tout. Ça doit être extraordinaire, ça. Let's go. Allez. Ok. Bon, ça va devenir intéressant, c'est ça. Mal l'animal. Hein. Pas mal du tout l'animal. Ok, ok. En vrai, des gaz. Des gaz, c'est cool en backup. Oh, let's go. Oh, zorni. Ouais, vraiment changer ta pépé Twitch, oui, je pense que je vais remettre la même queue sur Twitter et tout. C'est vrai qu'il faut que je la change quand même. C'est quoi ça? Zermit, oui, mais attends. Alors, Zermit. Time pick up some items in the room into coins. Oula! Non. C'est non. Ok. Allez, donnez-moi. Donnez. Ah, c'est pas bon. De cartes. Tous les 15 shots, je shoot un hypercac et my reflection en plus. Non. Non. C'est gentil, hein. Je dis pas que c'est à chier, je dis juste que c'est pas ouf. Jugement. Jugement. En vrai, ça m'intéresse. Pour exploser. Ok. Encore de la life. Ok. Il y a trop de trucs par contre, hein. Ça va être insupportable après. Je suis au bout de ma vie. Ok. Judgment. Let's go. Let's go, petit cœur. Bah on s'est bien refait là. C'était long. C'était long, hein. Et comme c'est la dernière partie de ce soir, faut que ce soit long. Hein.
On va prendre le petit cristal balle. Il y a pas mal de cristal. Ah non, mais attends. Attends. T'es fou, toi. Je t'en supplie. Merci. On va quand même aller défoncer Vitef. L'autre connerie, hein. Par contre, ouais, je suis pas d'accord avec ce train 4. Je suis pas très d'accord avec ce train 4. J'aimerais m'en débarrasser avec effet immédiat. Ah bon. Ok. Ok. Ça c'est gratos. Et je peux encore aller farmer, non mais ça suffit. Ça suffit. Faut que ça s'arrête. Hein. Oh par contre la The Fool là pour gagner du temps après là. Oh let's go. Oh let's gong. Mac let's gong. Non, non, arrête d'être con. Voilà, merci. C'est bon. Une heure de run, toujours à bombe 2. Eh ouais. On est là. Bah salut les gars. Hein. Salut les rails. Oh le virus. Oh non. Non. Oh bah attends, dans ce cas je lui donne à lui, comme ça c'est un peu plus équilibré. Hein. Ah mais non mais c'est speed up maintenant, je suis con. Speed up, c'est bon. J'avais oublié un rein. J'avions oublié ça. J'aimerais voir où je vais, mais bon. Oh, connard! Pardon. C'est du genre à m'énerver. Je fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin. Putain de merde, bah j'ai bien fait de farmer la life, hein, putain. Et on va bien le refaire, en plus. Quoi? Hop là! Casse pas la tête, toi. On te casse pas la tête. Quoi joindre? Oh, ce serait rigolo, enfin, pas quoi joindre, mais multidimensional baby, ce serait rigolo, mais ça fait beaucoup, là. Pas sûr d'avoir vraiment besoin de ça, hein. Pas sûr d'avoir vraiment besoin du multidimensional baby. Allez, hop, on y retourne. Ah. Le message est clair. Ferme ta gueule. Voilà le message. Le message. Très bien. Je vais donc prendre des gaz. Je vais laisser là. Je vais prendre quel trinket? Bon, en vrai, celui que j'ai, très bien. Voilà, merci pour l'argent. On sait jamais. Il y aura peut-être une autre machine de dons. Oh, j'ai pas le cerveau. J'ai pas le cerveau pour contrôler les deux en même temps. C'est vraiment pas possible. C'est une catastrophe. Regardez-moi. Regardez-moi essayer. Mais... Je vais casser un queutru, frère. Merci. Ok. Allez hop, on y va. C'est loin. Mais on peut le faire.
Ah, c'est pas là où je voulais aller, je crois. Pas sûr, mais à vérifier quand même. Merci, la machine a explosé. Ouais, mais pas merci pour moi. Hein. Pas merci pour moi. Hein. Moi, je suis en mauvaise posture. Hein. Bon, en vrai, ça va. En vrai, ils ok. J'ai réussi à multitask, incroyable. Ah, c'est pas là. Je pensais que c'était l'eau la space secrète. Ne pas se tromper, pitié. Merci. On y est, on y est. 1h08 de run. On y croit, on y croit. Zegouze. Oh, il refond. Let's go. On y arrive. Ah, oh, c'est toujours aussi compliqué, hein. Et bien à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous passez une bonne soirée. Sachez que nous, Sodome et Gomorre, c'est un personnage modé très sympathique, mais qui donne envie de se défenestrer quand même assez régulièrement. Personnage modé, mais putain, s'il pouvait être passé de mode, ce serait pas mal. Hein. Oh. Première et dernière partie. Ok, je vois la map. Et je vois la map. Je rejoins la map. On va quand même aller voir ça, ce serait dommage. Alors... Ah ! Regarde. Attends, ça veut dire que là, avec le poison, je peux avoir des cœurs gris. Contact. Ah bah super. J'ai pas particulièrement demandé. J'ai pas particulièrement demandé hein, pour attendre l'attaque, mais bon. Ça a pas l'air de vraiment les empoisonner, cela dit, les ennemis. Donc au final, ça marche pas vraiment comme je le voulais. Mais bon, c'est pas grave. Ah mais... Putain, mais oui, j'ai pas fait ces trucs-là. Oh là là. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, l'étage était fini. Dans ma tête, j'ai fini l'étage. Je vais en finir. J'étais à 69, dommage. Juste envie d'en finir, en fait. Ok, ok, on a de la vie. On... Je vais garder la boule. Oula, 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 oulala. Ok, le Nightcore. Isaac Nightcore, c'est parce que j'avais forcément envie d'entendre. Je suis pas venu là pour entendre du Nightcore d'Isaac, pitié. Ouais, ouais. Bah alors. Mais tu tires hein, quand tu veux. Je tire pas. Connard. Ah non. Zbardiz. Ah,
Alors, ça va être un peu long, mais ça va le faire. Spécial, hein, ce trône, hein. Spécial, hein. Pourquoi il se barre? Il se barre. Il a peur de moi. Il me craint. Il me respecte. Je suis craint et respecté de tous. C'est enrichissant comme gameplay en tout cas. Je suis assez de m'amuser là. Non mais j'avoue, Nodelift avec lui ça doit être marrant. Genre un tour sur deux, tes deux personnages sont potentiellement invincibles. Après du coup tu dois pas pouvoir tirer donc j'imagine que ça marche pas. J'imagine que ça marche pas parce que le personnage ne tire juste pas. Allez, vite. Oh c'est invincible mais c'est long hein. C'est facile mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh là là. C'est la version TNT de Sodome et Gomorra, c'est ça. Exactement. Alors, ah, c'est vrai qu'on pourrait faire Megasat. Megasat. Emotiptizizuziz. Pas chaud. Mais en même temps, c'est pas grave si je le... Oula. Minecraft. Oh là là. Oh, ça existe des bons objets ou pas? Non, mais merde. Merde, j'ai pas fait exprès. Hein. Super. Uber. Bon bah voilà, hop. Oh, c'est loin. Oh, venez, on fait méga Satan et on arrête. Oh, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que... Bon. En seconde, merci. Allez. Non, pas eu beaucoup le stats up en vrai, à part des 2-3 damage up, le reste c'est que les objets. Que les objets qui font des dégâts à notre place. Comme par exemple, Beelzebub. Enfin, BBF plutôt. Putain, à chaque fois je lis le nom de la transformation. Pour moi, c'est le truc le plus visible de l'écran. Je sais pas pour vous, mais là, le truc que je vois le plus c'est Beelzebub. C'est jamais. C'est pas BBF. Hein. C'est le plus. C'est le premier truc qui m'arrive aux yeux. Hein. À chaque fois. Bah on va dire toi là, allez hop. Je pense que ça va changer hein. 100% blancus hein, encore. Oh mais oui, ah bah oui en plus c'est parfait, c'est vrai que ça va faire l'effet de Brimstone. Oh bah je l'ai pas fait exprès mais je suis un génie. J'ai pas fait exprès mais je suis très intelligent. Ah. Bah, par contre j'ai pas fait exprès non plus mais je suis très con. Alors? Alors le naze? Intelligent par erreur. Ça, c'est une intelligence. Allô? Autant on servira un peu cette merde. Hein. Allez là, oh, oh, c'est loin. Oh, il y a des salles, ça met un an. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Regardez, regardez, c'est monstro.
C'est vrai que j'ai téléchargé un mode qui change le skin de monstro. Ça reste monstro, hein. Y a pas de différence, mais juste c'est stylé. Regardez la classe. En vrai, il est trop stylé comme ça. Il est trop stylé. C'est vrai que j'ai téléchargé ça. Ça change pas du tout son gameplay ou quoi, monstro. Hein. Vous inquiétez pas, hein. Il est pareil. Mais il est trop stylé. Je l'apprécie. C'est le tiki kudo, soir. Bon, bah les couilles. Bon, les couilles, frère. Attends, toi, Séraphin. Ce qui est jaune et qui a faim, Séraphin. Pas drôle. Hein. Qu'est-ce qui est serré et qui a faim, Séraphin. Allez hop. Oh merde. En quoi ça sert de vivre? Je vous le demande bien. Ok. Ah mais Gaïa Satan quand même. Gaïa Satan, respecte. Il y a des gens respectables ici. Let's go son Airwalk. Bon, pas les couilles de ton Airwalk. Bon, Balek. Qu'est-ce qu'on s'arrête là-dessus, là. On s'arrête sur un petit méga 700, là. Merci de Mendir pour le sub, ça s'est affiché? J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Mais j'ai vu sur le chat, donc c'est ok. Pour prendre ça d'ailleurs, pour qu'on niaise. Quoique. Est-ce que finalement le scooper serait pas mieux? Non, hein. Non. Oui. Ah, s'il te plaît. Merci, mec. C'est juste le meilleur en fait. Dégage. On va tout casser la gueule. Elle est belle la barre de vie comme ça. Hein, beaucoup. Hein. Je comprends rien, mais je gagne. Attention. Hop là. Merci beaucoup, Matsui Goito. Bon, en vrai, ce serait pas genre plus logique de faire ça, là. Allez. Oh là. Ce serait plus logique que ce soit lui qui attaque, quoi. Oh la mouche! La mouche elle nous régale. Ah c'est. Pardon. Oh non, tu peux pas nous faire ça. Voilà! C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir! Bravo, mon champion! Mon champion! J'utiliserai mon Void contre Mega Satan en dernière forme. Hein. Voilà. Putain, mais ils aggro tellement facilement l'invincible. C'est un peu simple, hein. Le fait qu'ils aggro forcément l'invincible. Enfin, ils aggro le plus facilement l'invincible. Oui. J'aimerais trouver une zone safe. Ce stream est une zone safe, mesdames et messieurs. A priori. Je fais de mon mieux, je vois. Ok. Pas encore gagné, mais... Pas encore perdu non plus. Ouais, j'ai juste à faire ça, hein, comme débile. Hein. Oh, je suis trop con. Ouais, quand je disais comme un débile, c'est pas non plus trop con, quoi. C'est une expression. Oh, je suis excité. Génial. Merci beaucoup, le Gazdar. Ah, de tricher! Ah, de tricher le jeu! On te voit, tu triches! Après, moi, je triche aussi un peu, j'aime. Oh, tiens!
Hein? Mais quoi? Mais il s'en sert pas. Ah, trop bien hein, cet objet! Sans dire ce qui se passe. Hein. Pas de sac. Bah, et pas eu le sac. J'ai pas eu le droit au sac. Oh, je fais tout. Hein. C'est gagné. Allez, c'est gagné. C'est offert à la France, ça. Ah non, 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 ouais, ouais, pas de DD, hein, pas DD. Oh, DD, DD, c'était non. Hein. DD, on n'y allait pas. Oh, putain, il faut que j'ai plus mal au dos, quoi, quelle vie. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, cela dit que j'ai pas mal au dos. Bah, écoutez, Sodome et Gomorre, voilà, vous avez eu, en après-première, du coup, Sodome et Gomorre, normal et teinté. En vrai, le perso est intelligent, plutôt bien pensé, assez bien exécuté, mais foutrement long à jouer. Après, c'est ma première partie avec, mais disons que c'est un gameplay qui change tellement des habitudes que... Oh, je verrais pas une partie rapide avec eux, à moins de les tryhard pendant des jours et des jours, quoi. Mais je me verrais pas faire une partie rapide avec eux, quoi. Mais le principe du teinté était vraiment assez cool. Assez cool, y a des belles choses à faire, je pense, en fonction de ce qu'on a. Franchement, on va pas se mentir. J'ai réussi à m'en tirer grâce au personnage et pas grâce au stuff. Hein. Le stuff est pas ouf. Sauf à la fin, les bombes, les méga bombes plus brimstone, c'est fort contre les boss, effectivement. Mais sinon, j'ai pas eu grand chose pour être fort. Hein. Soyons honnêtes, c'était à chier. Mais c'était bien joué. En tout cas, voilà, des bisous YouTube. À bientôt, bien sûr, abonne-toi. Salut mon pote.